Hello, hello, bonjour. Alors, j'ai préparé une pâte à pancake. Donc, j'ai fait une pâte à pancake. Donc, c'est une pâte classique, hein. Donc, j'ai mis un œuf, j'ai mis de la farine, j'ai mis 150 g de farine, j'ai mis une cuillère à café de levure chimique. Une cuillère à café de levure chimique, j'ai mis une cup de lait, j'ai mis une cuillère à soupe de sucre, donc j'ai mis du sucre roux et du sucre complet, un mélange de sucre de canne complet, et voilà, donc ça donne ça. Et du coup, bah, je vais faire des pancakes. Donc, j'ai une poêle, une petite poêle comme ça. Donc, je vais pouvoir faire les pancakes dedans. Donc, j'en ai déjà fait deux là. Et là, je vais faire ça de mon goût. C'est vrai que c'est pas aussi. La pâte est plus épaisse en fait que celle des crêpes. Donc ça se met un peu moins bien dans la poêle. Mais bon, voilà. Je vais laisser chauffer. J'ai un peu huilé le fond pour que ce soit plus pratique à détacher. Sucré hein. Parce que je pense qu'on peut en faire des salés aussi, mais moi j'avais plutôt envie de pancakes sucrés. Je vais les écuire encore un petit peu. Donc là, j'en ai déjà fait deux. Donc ça sera le troisième. Je vais rajouter du sirop d'agave. Il y en a qui mettent du sirop d'érable, mais je préfère le sirop d'agave. Voilà. Je vais me faire un thé. Et voilà, mes pancakes. Donc c'est pour le goûter. J'avais encore envie de sucrer, donc j'ai décidé de faire des pancakes. Et bah, moi j'aime régaler. Je vous invite à tester et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Tchuss!